Si hegan ke tuet no topet. Ke na na mo hom ben spa shiming je pe go no. Pe go no po go no abu no. Tano Nous sommes en direct sur Inu Web TV, Mac la radio. Nous sommes entendus partout dans la région où ce que le réseau est disponible. Alors, je vais juste en tout premier lieu présenter nos dignitaires, chef Mike McKenzie, chef Jean-Charles Pétachaud, vice-chef Gérald Hervieux de Pessamit, Joseph Morlin, vice-chef au Nouméhibit, Jeffrey Kelly, ministre des Affaires autochtones, Québec. Ah, c'est ça. C'est bien, hein? C'est sur les cartes d'affaires. Oui, oui, j'ai pas ta carte d'affaires. Et puis Raph Cléré, directeur général de la Commission de développement des ressources humaines. Mais avant de commencer, je vais inviter Mme Céline Volant-Bellefleur pour une petite prière d'ouverture. Moi, ma prière s'adresse vraiment, c'est des prières de reconnaissance pour tout ce qui se fait ici aujourd'hui, pour l'avenir de nos jeunes, parce que moi, je peux parler comme aînée, des jeunes adultes qui vont venir ici, qui vont avoir l'occasion vraiment de faire quelque chose. Je remercie les gens qui ont participé à la construction et à même avant la construction, à l'idée de faire cette maison pour les jeunes Inuits de la Côte-Nord et d'ici. Mon merci va aussi aux gens qui sont ici maintenant. Mon merci va aussi en premier à tous les aînés décédés qui ont toujours rêvé d'avoir une école pour les jeunes qui veulent continuer et non toujours l'école traditionnelle où moi j'ai été. Là, il y avait des infirmières, des secrétaires, des maîtresses d'école. Maintenant, on a une large vue et merci pour les aînés qui ont eu cette vision-là. Je voudrais aussi signaler la présence du maire de Sétienne, M. Pondé. Merci beaucoup d'être là. Alors, on va débuter avec un montage vidéo, construction, de la construction du créa. Inuit de Wagan, Ouachat, premier lieutenant, a été supporté par tous les gouvernements de Premières Nations de la région, parce qu'on était le deuxième centre d'éducation aux adultes francophones. Alors, on a eu le support de toutes les communautés Inuit qui ont envoyé une lettre de support au projet. Alors, c'est un projet rassembleur qui amène beaucoup d'eau au moulin, qui est dirigé vers les jeunes de la communauté. Alors, on sait qu'il y a quand même beaucoup de décrochage, alors c'est un projet pour les jeunes, leur permettre de retourner sur les bancs d'école, aller chercher la formation professionnelle et qui va être aussi redirigé vers nos partenaires du secteur minier qui vont recevoir ces nouveaux employés potentiels. Dans le fait, il y a tellement de personnes qui se sont impliquées dans le dossier, et, que ce soit Vicky Lelièvre qui a mené de main de maître ce dossier-là. Et on a des partenariats pour ce qui est de la formation professionnelle. On a des simulateurs qui vont être ajoutés au centre, qui vont permettre de préparer les gens pour le secteur minier. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont participé au projet et c'est pour nos jeunes. Le Centre de formation régionale aux adultes à Ouachat-Maliotenam, c'est un projet qui est attendu depuis longtemps.
puis enfin, il voit le jour. L'avenue d'un nouveau centre de formation régionale dans la communauté va permettre aux clientèles de se retrouver avec un sentiment d'appartenance. Donc, notre clientèle adulte, jeune adulte et adulte, va maintenant bénéficier d'un nouveau centre de formation pour eux, adapté à leurs besoins. Un centre qui a tout l'équipement nécessaire qui va leur permettre de bien cheminer dans leur cheminement scolaire. Dans le centre, on est très fiers parce qu'on le sait, en région, c'est pas toujours facile de trouver, d'avoir du personnel qualifié, mais nous, à Ouachat-Maritanam, on a la chance d'avoir du personnel diplômé, qualifié, qui sont aussi très emballés par ce nouveau centre-là, cette nouvelle offre de services qu'on va offrir à la clientèle. Donc, ils sont habilités pour travailler avec la clientèle adulte. La communauté de Ouachat-Maritanam a accepté d'accueillir ce projet-là sur son territoire, mais à l'intérieur du centre, la clientèle, elle provient de toutes les communautés Innu, de toute la nation Innu également. Dès le moment où on peut venir en aide à des personnes pour établir un nouveau plan de vie ou donner de l'espoir, je pense que cette mission est remplie. Et c'est à ça qu'il va servir le centre. Donner de l'espoir à tous les jeunes qui ont à une époque décroché et qui demandent maintenant de trouver une solution pour se faire un nouveau plan de vie. Alors, c'est ce qu'on souhaite à tous les jeunes. Alors, j'inviterais en avant les architectes de DMG, M. Carole Martin, Julie Foster, s'il vous plaît. Voici l'équipe là, qui ont construit tout. C'était un centre de tennis auparavant, puis ils ont tout transformé ça en un centre d'éducation aux adultes. Magnifique, hein? Ma poêle, M. Adam Fontaine, qui a avec le conseil de bande. Adam Fontaine, s'il vous plaît. Superviseur général. C'est lui pour Itom, là, qui voyait à tout ce que tout soit fait selon les règles de l'art. Adam Fontaine de Itom. L'équipe! Alors, je vais inviter en premier lieu M. Mike McKenzie, chef. Wana mesti tamu negara kerja cha, cuma hukar nak setai not, tapi wana uskete no apa dah denden cici no imiak cha, mesti tahu betul de no spici aja kita no spes mohon cuma tangi siwa cha, ke no mesti ada pon setai stano, cici kita no ni nanu ino tuegan spes ut tayan cha, 2010 cha jab ni bene, matnai jangan kende utta jangan deh mau jaga tuegan cha, cuma naima cici pedan sanda formation ete aux adultes ou des Ouahad Maritanam. Et comme je disais, je n'ai pas besoin de ce que je disais, je disais que je n'ai pas besoin de ce que les conseillers d'autres mots au niveau des interventions politiques, d'autres des churches, d'autres mobiles, fédéral, le conseil scolaire, il y a un autre des interventions, la PNQL, il y a un autre des appuis, j'ai oublié, moi, au niveau de mes roulements, un centre régional, on dit, tu n'as pas besoin de Pihawan mana macam tu, pihawan tu kan, wajah dekan. Orang ni, dia ni je, ni mahmud ni dah iban cah, macam ni iban ni dekrasas, situasim not. Kemana je, ti sport kau situasimat. Foto gunat mana dia mana ini cah, jadi tu gunat dalam sport ya ni sport. Oh, tangjat de, jen ni adult, jen de jen adult ni siwan je kau siwujan. Dengan abad ni iban, jadi rakrasi kau jitu tua gud, jadi kau tu gunat cewano, cium gud. Sendirian. Anak mungkin kami juga ada. Kita no simnat macam tu. Papa kami juga ada. Us ni cukup kan? Ya, tiap-tiap. Negeri kami juga ada. Kita tadi mungkin jen wasat kan? Ya, tiap-tiap. Kalau ni tu, ni benar ni. Eh, mami tu nampak ni deh. Deh utar jadi tadi mungkin orang bukan. Ini orang bukan. Kenjen, orang juga tu jen ya jen. Kita buat je tenu. Macam tu, orang ada nanti si. Oh, kami ada tu wasat. Kenjen tu siwanan. Mana? We know mana? Muka tu orang jis me. Le centre où nous sommes de Punta Sestan. 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 Nous sommes de Pun
kene bu honga lodia ka de weje do de tat ino to wega no hat malutena den den abadin ki ino to woni ben no stato de bih mono no da bida di hat mo le projet wo ham sta stavniat ino to wega ne ta ban no la contribution financière d'attente puis à long terme in de si wen cha no ne la contribution ne d'attente ne hunyo spestancha de génération en génération tu gihawa on ne hiwa badman mo mo di cha no et c'est un projet que y a d'une chmoja de notre mot la nation inou pero honi joa me ha de manou de la nation inou shit ka jama dacha e us ka teben ti ke voina minage to goto homet le creo o jab ni bene e ma mo de ti nos mot de tu che wan ho chim go te chim amot son to me pe go chwa ka skot ma jojo kende den ne meni ti da bad manya ka skot ma jojo na tamde to ni bende utta de chita da na ta ko sehit man chkot moy bani no de ko at chi ana im yam le sejep de chita da se ma sto wiji guna im le sejep ken na chmo ya ka gana sejep ka ispesh to de ko at chi chkot ma na ti no asat mo ne na tam mat ne jigan to ni ben che chi china no init te wando les institutions chita da china no ka chkot ma jo jo china no ispesh pa haben dojen ne gi siwen jen sto asim no to ham chko de mon domaine ni noasset mien de coxet ou emot me to won une date magnamet to won ya che bon on de metta tan chko de mon ni et ou de ni chko de mon on de che chita tan ja ich behaben ni noas et no chko de mon me hegen no ipa chista no ipa chko chito on me no chita tan na ta ne me no me hegen ke puto wa etet me jisne de uta chita bad man no ich pechod ne de l'assemblée des chefs capien. Tu sais, tu des débats, tu ne sais pas si le projet. Tu as des parce que tu as d'autres centres de l'adaptant que tu as aussi. Puis, tu as des débats à la PNQL, qui est l'appui, moi, tu sais, qu'on a un débat qui est donné, moi, je suis dans le centre de formation aux adultes. Pour un moment, tu as des réaliser tout le monde, tu as des débats, tu as des débats, tu as des débats, tu as des débats, il y a des gens qui ont gagné, 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 des attestations collégiales, qui ont gagné, qui ont gagné, qui ont gagné, qui ont gagné, des simulateurs, qui ont gagné, des chefs de train. Qui ont gagné, 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 qui ont جيش إنه إنه دوب بندو، إنت ده ديهن يا شاف ده ترين ترى بدنيا، يا ده ميا ده نوادن سيميلاتور ده أوبراتور يا ده توني بدنا نوجه بندو ده نهت ده مينست، مانيا ده جان شارل إنه كستوني، ده عندني ده توني نوتش كهرباني إنه واسة تيجي هنا توتي، كمان كي تنا هم يوغو ويجان توادي أك مك شتوا سيمنو تي تي ده ونا تي مني نيوت، منو تي ونا تي وانو ننش مودين جن اون نو دیت تا ل کنسل دی واحد مالیتنام ننش مودیا جن اینو چمات جن ل ناسو اینو اون دیت تا جان شان بیت اشو ل وی شف اون دی ل رومن ویات اینو بیدون اوجبون کوانجیت که ویات ل مینس تا تا جف کلی مجا د پونیت سشتنا ل پروژه میگه سیوانچا د 2010 او تا جبنو ما ویات راف کلریت ان جوار کلی که وین اتی ل کنسل سکولار اینو تو وی چی گنایم چی اون می ou de thème à regarder moi je suis en mac dans le centre de formation aux adultes. As-tu compris ce qu'elle est? Complètement. Ça va bien. Ouais. Mac chané tu adaptes ni je peux je connais de point taille nous de wagon. Moi je adapte moi le projet que de nous regarder ça nous on va nous chané je peux tu vois ta sept mac. Moi ham dans den le décrochage ne mais c'est pas mon le pourcentage. Quatre stages secondaires 5 et nous avons dit que 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 nous من بدو دیت و هندو ما چی من و هنم چه استون استانو سینات و هندو ودنین اینو بگو هنمان پی
l'éducation. Le droit à l'éducation, mais je t'abonne la déclaration des peuples autochtones. Le droit à l'éducation, le droit à la culture des Premières Nations. Les sous-traitants, les turbines, les châteaux électriques, DMG, Wainaiben, Ebenestrie, Chancachetou, Plomberie, Ademone, Plomberie, Nelson, Nelson, Santan. Des sous-traitants, là, parce que j'ai énuméré d'Odogon, les sous-traitants. On va dire, les Chicamaro. Le conseil souhaite donc une excellente année scolaire aux élèves du corps enseignant et à l'ensemble des employés qui, j'en suis certain, feront du centre une grande réussite. Jusqu'à maintenant, merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai le ministre Jeffrey Calais à venir nous entretenir. Je suis tellement heureux d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment un travail de longue haleine et je suis heureux d'être ici pour deux bonnes raisons. Et la première, c'est vraiment, c'est un projet qui a pris un certain temps pour le réaliser, pour dire le moins. Moi, j'avais l'opportunité d'être au sommet socio-économique organisé par l'Assemblée des Premières Nations de Québec et Labrador à Mastouillache. Et nous avons pris l'engagement comme gouvernement de créer un centre collégial qui s'appelle aujourd'hui CUNA et 4 centres de formation d'adultes. Alors nous avons travaillé, je vois Ralph Cleary qui est ici, qui représente la commission scolaire, les communautés, l'Assemblée des Premières Nations. Nous avons travaillé ensemble. CUNA a vu ses jours et maintenant je viens d'assister à la 5e remise de diplôme de CUNA. Les 3 autres centres existent. J'ai visité celui de Kanawaki récemment, celui de Lac-Simon. Bientôt, je vais visiter celui de Listigouche. Mais je suis tellement heureux qu'enfin, on va ouvrir. Je sais que le centre existe depuis 2 ans. Il y a déjà des étudiants. Mais d'avoir une facilité moderne comme ça, un endroit d'espoir pour nos jeunes, pour la nation Innu, notamment pour Ouachat, Makmaliotanam, et pour l'ensemble des communautés. Je vois les représentants ici de Unamushipu, de Jean-Charles qui est ici, de Mingan également, et Gérald Hervieux de Pessimite. Mais quel bel endroit, quel objet d'espoir qu'on a pour nos jeunes. En arrivant, j'ai parlé à Vicky Lelièvre qui m'a dit qu'elle a commencé de rêver d'un établissement comme ça il y a 20 ans. Alors, c'est vraiment, ça a pris un certain temps, mais nous sommes arrivés et je pense pour l'ensemble de la nation Innu, pour la région, pour la ville de Sept-Îles. Merci beaucoup, Régent, pour votre présence ici aussi. C'est tellement une bonne nouvelle. Mais également pour une note très, très personnelle, parce que moi, j'ai toujours cru dans ce projet et ça arrive pas souvent pour quelqu'un qui peut pousser un politicien. Souvent, on est là pour l'annonce. Le pelleter de terre, mais une fois que la réalisation du projet, il y avait une élection, il y avait un remaniement, il y avait un changement de gouvernement, il y a mille et une choses. Alors, d'être présent de Mastouillache jusqu'ici, d'avoir l'occasion de voir. J'ai rencontré les professeurs tantôt qui m'ont dit, après avoir passé 2 années dans le sous-sol d'église, d'arriver dans un lieu moderne comme ça, j'ai rencontré un étudiant qui est dans le programme d'études pour la protection phonique, qui est très fier du travail qu'il est en train de faire. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et comme je dis, j'ai parlé à
entre autres à Ricky Fontaine qui était impliqué dans l'organisation de l'événement. J'ai dit, donne-moi une date, on va trouver un moyen d'être ici aujourd'hui. Alors c'est vraiment bravo. Et bravo pour beaucoup de raisons, mais comme ministre responsable des Affaires autochtones, je suis toujours devant un genre de paradoxe. Dans le sens suivant, mon collègue François Blais, qui est le ministre de l'Emploi, parle au Conseil des ministres souvent du problème d'une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Mais à côté de la pénurie de main-d'œuvre au Québec, j'ai des communautés où le taux de chômage est inacceptable. Je pense qu'aux communautés des Premières Nations. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre cette réalité? Comment est-ce qu'on peut donner la formation nécessaire que on peut trouver les jeunes dans vos communautés? Et c'est quelque chose que chaque fois que je donne un discours, notamment pour les personnes à l'extérieur des communautés des Premières Nations, de rappeler la jeunesse des communautés des Premières Nations au Québec. La moitié de la population autochtone au Québec a moins de 30 ans. Alors, comme société québécoise, on a un rendez-vous très important avec cette jeunesse. Il faut préparer leur avenir, il faut donner l'espoir. Moi, j'étais enseignant avant de devenir politicien. L'éducation, c'est le nerf de la guerre. Si on veut créer l'espoir, si on veut aller de l'avant, c'est vraiment grâce à l'éducation. Alors, chaque fois que je suis à l'ouverture d'une école, soit dans mon comté, soit ici, on est à la naissance de l'espoir aujourd'hui. C'est vraiment un lieu, nos jeunes vont venir ici, vont commencer de rêver. Moi, j'ai même pris le temps d'être sur le simulateur. Thanks to the two guys from Nova Scotia who were there, I sort of wrecked the truck. Anyway, c'était pas un grand succès, mon expérience avec le loader et tout le reste. Je pense que j'ai vidé le gravier sur le camion plutôt que dans le camion. Alors, c'est un petit peu erreur. Alors, je suis pas prêt de manipuler un des grands équipements lourds, mais c'était vraiment de voir ces équipements modernes, de voir la possibilité que ça va nous donner à nos jeunes de maîtriser ces équipements. C'était vraiment beaucoup de fun. Alors, en terminant, comme je dis, je suis tellement heureux, c'est l'espoir qu'on est en train de créer ici. Il y aura des emplois, il y aura l'espoir pour les communautés. Alors d'avoir une facilité, un centre moderne qui va aider la jeunesse de la nation Innu, bravo. Je ne peux pas terminer sans dire avant tout un grand merci au conseil de Ouachat Macmeliotenam, Mike McKenzie et moi, nous avons discuté ce projet à maintes reprises, je pense qu'on peut dire ça. Mais des autres membres du conseil aussi, avec qui nous avons discuté ça, Ricky Fontaine, qui toujours insistait de l'importance du projet. À mes collègues à Québec, le ministère de l'Éducation, qui soutient le conseil scolaire des Premières Nations. Moi, je pense qu'on a tellement raison de se réjouir aujourd'hui. Bravo à tout le monde pour cette belle réalisation. On va continuer d'être partenaire, on va développer davantage le centre, mais c'est vraiment... mon ancien patron, Jean Charest, a toujours dit de temps en temps, il y a certains moments dans une carrière politique, c'est pourquoi je me lance en politique. Et une journée comme aujourd'hui, c'est une des raisons que moi, je me suis lancé en politique, d'avoir l'occasion de créer l'espoir, de préparer un meilleur avenir pour la nation Innu, pour les jeunes de la nation Innu. J'étais un participant avec beaucoup d'autres, c'est un énorme travail d'équipe. Mais je suis très heureux de voir que les rêves de plusieurs personnes dans la salle ici aujourd'hui sont réalisés. Alors bravo à tout le monde et bon succès au Centre régional d'éducation des adultes ici à Ouachat. Merci. Chimichi Kumitin? My bad. Close. Very close. Alors, M. Armand McKenzie n'a pas pu se déplacer. Il a été retenu à Montréal. M. Armand McKenzie est pour le représentant de Tata Steele qui a contribué financièrement au centre. Maintenant, j'inviterai le directeur intérim, M. Non, juste avant. Bouge pas, Denis, ce sera pas long. Le président du conseil scolaire, Ralph Cléry. C'est toi, oui. Alors, mesdames et messieurs, chers élèves, bonjour. Chef Mike McKenzie, ministre Kelly, l'ensemble des chefs et politiciens Innu ici, le maire de cette île,
M. Denis Dionne, Mme Vicky Lelièvre. Je suis sincèrement et infiniment honoré d'être ici avec vous aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier de l'invitation et vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous. Pour ceux qui ne le savent pas, la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec représente 29 communautés et 4 centres de services urbains, dont un à Sept-Îles, tous travaillant en collaboration dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'éducation. Nous avons également initié le conseil scolaire suite aux besoins des communautés en éducation des adultes. Nous sommes donc très liés par nos organisations respectives. J'ai d'ailleurs l'honneur d'être directeur général de la CDRH-PNQ et de présider chacune des réunions du conseil scolaire. Depuis la création du conseil scolaire en 2012, le parcours accompli par le Conseil des Premières Nations en éducation des adultes est extraordinaire. Aujourd'hui, 4 centres régionaux et 3 centres satellites, le quatrième étant évidemment ici, sont en opération et répondent aux besoins des adultes apprenants de nos communautés. Comme vous le savez toutes et tous, l'éducation, c'est la clé de la réussite professionnelle, mais aussi la clé du bien-être personnel et social. Le seul fait de pouvoir offrir une éducation culturelle appropriée via l'établissement de nos propres centres et avec le soutien de notre propre conseil scolaire est un accomplissement majeur. Aujourd'hui, Itoum accueille le centre de services urbains de Sept-Îles et le CREA dans ses nouveaux locaux, rénovés expressément pour offrir des programmes et services répondant à nos besoins. Nous sommes donc fiers de pouvoir offrir dans ces locaux des services d'emploi et de formation, mais aussi via le centre de services urbains de Sept-Îles, mais aussi de la formation générale aux adultes de haute qualité, via le centre régional d'éducation aux adultes de Ouachat-Mac-Meliotenam. Alors merci, chef, conseiller et toute la communauté, de démontrer l'importance de l'emploi et de l'éducation en investissant dans des lieux physiques magnifiques pour encourager nos clients à retourner aux études. Je me souviens, en octobre 2014, la table des chefs de l'APNQL avait mandaté le conseil scolaire à élargir l'offre de services en éducation des adultes, en soutenant l'ouverture d'un nouveau CREA à Ouachat-Mac-Meliotenam. Je me souviens, à cette époque-là, lorsque Vicky Lelièvre et Ricky Fontaine sont venus présenter leur projet à la table du conseil scolaire. C'est comme si c'était hier. Par la suite, on a engagé Julie Rock en tant que directrice du CREA de Ouachat, Mac-Meliotenam. Le CREA a accueilli ses premiers élèves en janvier 2016. D'ailleurs, je crois qu'il y en a quelques-uns ici ce soir. Et déjà, 16 élèves ont obtenu leur diplôme d'études secondaires. Mais vous savez, la réussite est définie différemment pour chaque élève, car on ne parle pas de ceux qui ont poursuivi en formation professionnelle, qui ont trouvé un emploi ou qui sont retournés sur les bancs d'école ici même pour poursuivre leurs études. Il faut souligner le travail de l'équipe du CREA, qui sans eux, les élèves ne pourraient pas atteindre leur objectif. Alors, M. Dionne et toute l'équipe du CREA, merci pour votre dévouement aux élèves. C'est votre capacité de créer des liens avec nos jeunes et les moins jeunes qui fait en sorte que la plupart de nos élèves préfèrent venir au CREA plutôt qu'ailleurs. Je veux également saluer le travail de la coordinatrice du Centre de services urbains de Sept-Îles, Madeleine Dominique, et son équipe. Vous faites un excellent travail et vous êtes important dans la vie de plusieurs clients qui se présentent dans nos bureaux. Nous sommes fiers de pouvoir accueillir et offrir l'enseignement et du soutien aux communautés Innu et de les faire dans l'établissement du CREA de Ouachat-Mac-Meliotenam. Nous sommes fiers de pouvoir organiser des formations qui répondent aux besoins de nos communautés. Nous sommes fiers de pouvoir dire à nos partenaires qu'ils doivent s'adapter à nos réalités lorsque vient le temps d'offrir des formations chez nous. Comme Mme Rock le disait avec tellement de diplomatie, ce n'est plus à nous de nous adapter à vous, mais à vous d'entrer dans notre cadre. Le conseil scolaire est privilégié de pouvoir contribuer au développement de l'éducation dans les communautés,
Nous travaillons fort afin de négocier avec les partenaires pour assurer que les ressources soient à la hauteur. Ceci assurera une formation adaptée à la culture et aux besoins de nos apprenants, sans compromettre la qualité des services offerts. Éventuellement, nous trouverons les moyens d'assurer l'autonomie de ces services dans les communautés. Entre-temps, nous continuerons à travailler à la mise en place de services qui répondent à vos besoins. Toutes mes félicitations et bon succès à les nouveaux locaux. Monsieur Picard, Justin Picard, chef de l'APNQL, vous le savez, n'a pas pu venir, mais il m'a quand même demandé de... Il m'a envoyé un courriel, il m'a demandé de vous en faire la lecture. Alors, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, ne pouvait se joindre à nous ce soir, mais m'a prié de vous lire en son nom ces quelques mots. C'est avec beaucoup de regret que je ne peux participer ce soir avec vous à l'inauguration du CREA de Ouachat Macmaliotena. Ce centre est le fruit d'un travail acharné de plusieurs intervenants convaincus et engagés dans l'éducation de nos membres. Je tiens donc à souligner l'implication extraordinaire de l'équipe d'ITUM, du CREA et de la CDRH-PNQ. Je remercie également sincèrement nos partenaires des gouvernements provincial et fédéral et je mise sur la collaboration du secteur privé. L'éducation des adultes revêt une importance capitale pour nos Premières Nations et nos besoins dans ce domaine sont sans aucune comparaison dans la réalité québécoise. L'éducation, dit-on, est un passeport pour la vie. Nos communautés ont besoin de membres formés pour continuer à se développer et devenir pleinement autonomes. Nous avons comme Première Nation la capacité de contribuer à la société québécoise et canadienne. Pour ce faire, nos étudiants adultes ont besoin d'accomplissements culturellement appropriés et c'est justement ce que le CREA s'applique à faire et à le faire très bien. Je salue le courage et la ténacité de nos premiers finissants du CREA de Ouachat Macmaliotenam. Soyez de fiers ambassadeurs pour tous ceux et celles qui souhaitent suivre vos traces. C'est avec le plus grand des plaisirs que je serai à la graduation de la prochaine cohorte. Encore une fois, félicitations à vous tous et toutes qui ont permis que le CREA de Ouachat Macmaliotenam devienne réalité. Bonne continuité et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Alors maintenant, j'inviterai le directeur intérim, Denis Dionne. J'aimerais commencer par des remerciements. En premier lieu, je remercie Denis Volant de m'avoir informé que j'avais un discours à faire. En deuxième lieu, ici, le 15 août, il se faisait les planchers. On savait qu'on avait une ouverture à faire pour le 5 septembre avec une centaine d'étudiants. Je remercie toutes les personnes qui étaient en place, autant dans le domaine de la construction. Sébastien, mon passe-partout de 200 livres, je l'ai appelé de même parce qu'il venait me débarrer les portes le samedi matin. Le personnel d'ITUM qui était disponible, on avait tout un but commun, c'est de faire un accueil de classe et au mérite de la qualité de nos étudiants. Le tout s'est bien réalisé. Je suis fier. Je remercie aussi mon personnel en place dans le CREA. C'est la première semaine qu'ils ont une charge dite normale. Depuis le 5 septembre, je les ai surloadés. Ils m'ont demandé des vacances, mais je ne connais pas ce mot-là. Et je suis fier aujourd'hui d'être un des éléments qui a permis la réalisation de ce centre-là. C'est un centre dans la communauté. Une des principales raisons de sa raison d'être, c'est qu'ici, nos étudiants vont être capables de vivre la notion de famille élargie. Lorsqu'ils vont avoir des phases de découragement et de démotivation, ici, on va être capable, avec notre notion de famille élargie, de les reprendre en main et de les enligner. J'aimerais aussi dire, comme le chef Mike McKenzie,
Nous avons un des centres les plus modernes de la province de Québec, de l'éducation aux adultes. Mais la richesse de ce centre-là, c'est vraiment nos étudiants. Depuis une vingtaine d'années, des personnes croient en vous. Ils savent que vous êtes capable de réussir. Faites-vous confiance. Réussissez. J'aimerais souligner aussi, présentement, nous avons Shaina, qui est rendue au niveau collégial, qui parle d'aller à l'université, qui est une de nos anciennes étudiantes. Ça me fait un plaisir. C'est là qui nous donne notre bonus en tant qu'enseignant. C'est de dire, ou en tant que directeur, c'est de dire que j'ai été un des éléments qui eux ont permis de se réaliser. Et dans mes rêves les plus fous, certaines personnes ont eu un rêve fou de 20 ans. Dans mes rêves les plus fous, je vois le centre comme étant le symbole pour le premier pas de ma réussite. Et je vous garantis qu'il y a un mur qui va avoir la photo de tous nos finissants. C'est la seule chose que je vais exiger. Le reste, ça va être une saveur et nous. Merci. Monsieur Dion, votre nom est inscrit ici. Là. Le protocole. Je suis le protocole, moi. Là. Okay. Vous avez des choses, je suis là disponible après. Ça rappelle l'étudiant de défendre. OK. Moi, j'ai des chefs, là, en avant. Alors, on va poursuivre. Maintenant, j'inviterai la directrice d'éducation de Etum, Vicky Lelièvre. Bonsoir. Ralph, moi aussi, je ne suis pas une politicienne. Pas du tout. Très beau discours, M. Dionne. Vous m'impressionnez à chaque fois. Bonjour à tous. Nous vivons aujourd'hui un grand moment. C'est l'ouverture d'une institution scolaire pour les adultes qui ont pris la décision de revenir sur les bancs d'école pour compléter leur formation secondaire. Etum met désormais à leur disposition un endroit à la fine pointe de la technologie dans un environnement adapté à leurs besoins. L'exil des étudiants dans les grands centres n'est plus nécessaire, car les services sont maintenant disponibles sur la communauté de Ouachat-Maliutenam, qui demeure un carrefour pour les autres communautés plus isolées. Bientôt, le secteur d'éducation d'Etum logera au deuxième étage de ce bâtiment, ce qui permettra une centralisation des services en éducation sous un même toit. L'éducation est en pleine expansion dans la communauté de Ouachat-Maliutenam. La prise en charge complète de notre propre système d'éducation est un objectif qui prend de plus en plus d'ampleur. L'offre de services pour tous les étudiants de la communauté est de plus en plus diversifiée pour répondre à tous les besoins de ses membres. Un mot aux étudiants. Sachez que vous êtes des modèles pour vos enfants et tous ceux de la communauté. En vous regardant, ils verront votre persévérance à l'œuvre, votre désir de réussite. Aucun mot ne peut remplacer l'exemple que vous leur montrez. Ils comprendront que l'éducation est importante, qu'elle est au cœur de la prise en charge de toute une vie. Pendant longtemps, l'école secondaire de notre communauté a accueilli les jeunes adultes pour leur offrir l'opportunité de compléter leur DES. Aujourd'hui, grâce à ce projet, la clientèle adulte bénéficiera d'un environnement adapté à leurs besoins. Les clientèles pourront se retrouver selon leur groupe d'âge respectif. À tous les étudiants, je vous souhaite une belle année scolaire. Je sais que vous êtes entre bonnes mains avec tout le personnel du CREA de Ouachat-Maliutenam.
Je remercie également toute mon équipe au niveau du secteur éducation, le secteur des communications à Inotowayden, pour tous les préparatifs de cet événement important. Je vous remercie à tous de votre présence. Puis, je suis très fière de cette réalisation-là, parce que moi, je suis arrivée en éducation en 1997. Puis, quand je suis arrivée à l'éducation, on se disait, qu'est-ce qu'on fait avec les décrocheurs? On n'avait pas de solution pour eux. On n'avait rien à leur offrir d'autre qu'une formation régulière. Puis aujourd'hui, je pense qu'après 20 ans, comme M. Kelly disait, ben, après 20 ans, maintenant, on a un plan B à leur offrir. Puis c'est vraiment une grande fierté pour moi personnellement, mais également pour tous les membres de la communauté. Je vous remercie. Merci. On va procéder à la coupure du ruban, mais il ne faut pas partir tout de suite après qu'on ait coupé le ruban, là, parce qu'il y a d'autres activités, il y a une réception, il y a des chanteurs qui vont venir nous divertir un peu, deux chanteurs. Et puis, bon, ils vont voir aussi Tewagen avec deux représentants. Là. Alors, c'est pas fini avec la coupure du ruban. Hein? C'est juste une activité pour l'ensemble de tout ça. Alors, on va sortir dehors, on va mettre un ruban en place, on va inviter M. Kelly et M. McKenzie à couper le ruban. Alors, les photos, les photographes... Du CREA, le personnel aussi de la commission, des autres directions, des centres d'éducation aux adultes, à l'Estigouche, à Lac-Simon, Kanawagé, Mekwashat, Maliotenam. Écoutez, j'ai pas de mots. Merci beaucoup pour tout. On est tellement fiers d'être ici puis de faire partie de cette événement, puis de pouvoir offrir des services aux élèves, puis de faire partie de la réussite de ces élèves-là, puis du futur, du développement des communautés Innu. C'est juste toutes les émotions ensemble. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Merci d'être là. Bonne soirée. Alexandre McKenzie, en Norvège. Navis, je suis obligé de dire Adam. Chargez ma gueule.
I am. A great in a much pay was young. Shaggy to home. When we were staying, I'm shit German. Gee, I was young. Ni man, ni new shan. Benoit de nani ne kim yan. Ne ne poamunan.